matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver, eh bien, pour une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 9 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Nous continuons avec s'autoriser à être soi. Mais c'est quoi s'autoriser à être soi? Eh bien, c'est accepter sa part obscure pour la mettre en lumière, pour avancer vers sa lumière. Nous avons toutes et tous, n'est-ce pas, une part obscure. Et il est bon, de temps en temps, de la mettre en lumière. Ça va nous permettre d'aligner convenablement les chakras, n'est-ce pas? Nous terminerons avec ce petit oracle pour ne plus avoir peur. Mais avant de commencer, vous allez répéter 3 fois. Moi, je vais vous le dire 1 fois et vous n'oubliez pas de remercier. Univers infini, que le génie qui est en moi soit libéré, que je saisisse clairement le plan parfait immédiatement, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Merci. Avec gratitude. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé apprendre à pardonner. C'est pas facile, n'est-ce pas, de pardonner, mais ça s'apprend. Et croyez-moi, lorsqu'on y arrive, on arrive à pardonner, on se sent plus léger. On avance avec moins de rancœur, moins de haine. C'est quelque chose, on a l'impression qu'il y a un poids qui s'est retiré. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Alors ici, c'est la couleur l'indigo. Et l'indigo, c'est le troisième, on l'appelle le troisième œil. C'est le sixième chakra qui se trouve sur le front, n'est-ce pas, entre les deux sourcils. Et ce chakra, il est le lien entre votre conscience supérieure et votre ego. Alors, si ce chakra est bien ouvert et bien aligné, cela veut dire qu'il est facile de combattre les pensées limitantes émises par votre mental est programmé par les jugements et préjugés. Car vous avez conscience, oui, d'être bien plus qu'un corps physique animé de pensées et d'émotions. Et cette perception de vos ressentis s'affine. Au fil des jours, votre intuition s'aiguise, la clairvoyance est de mise. Et les idées émises se réalisent, eh bien, dans le monde extérieur. Et votre vision va au-delà des apparences et se concentre, eh bien, davantage sur les perceptions intérieures que les choses superficielles de l'existence. Maintenant, si ce chakra circule mal, s'il n'est pas aligné avec les autres, cela pourrait dire que vous n'acceptez que les pensées rationnelles et avez tendance à nier la notion de spiritualité dans votre vie. Vous n'avez aucune conscience de l'esprit illimité, que vous êtes à la base et de vos multiples ressources et vous vous assimilez, eh bien, à votre personnalité. Il est toujours bon de rectifier, n'est-ce pas, et de réaligner nos 7 chakras. Apprendre à pardonner, demander pardon. Demander pardon est vraiment plus simple que d'accorder son pardon, n'est-ce pas? On peut demander pardon à tout le monde. Mais accorder
ça c'est plus difficile. Car quand l'autre, eh bien, te meurtrit, ce sont le ressentiment et une certaine vengeance qui t'envahissent et te pèsent en te maintenant dans une colère destructrice. Ça va te détruire. Par contre, en pardonnant à l'autre, tu te délestes de la dette de la haine qui t'encombre. Alors, encore une fois, n'est-ce pas, je le répète et je le dis souvent, pardonner ne signifie pas oublier l'offense qui t'a été faite. Pas du tout. Tu n'oublies pas. Mais après un travail de deuil nécessaire, par toi-même ou auprès d'un expert, tu accèdes à la résilience et tu pacifies ton monde intérieur. Mets-toi en paix avec toi-même, en pardonnant à ceux qui t'ont nui. Même si vos chemins doivent se séparer, pardonne aussi, eh bien, toutes tes erreurs en comprenant qu'elles étaient sur ta route pour une bonne raison. Il est important que tu te pardonnes aussi. Et alors, souffrance, jugement, colère, ressentiment et autodestruction se dissoudront pour laisser place à un sentiment de paix tellement plus léger. Alors cette carte, bon, apprendre à pardonner, mais il est aussi primordial d'apprendre à te pardonner à toi-même, parce que bon, tu as fait des erreurs, tu as peut-être blessé des gens, demande leur pardon. C'est quand vous demandez pardon, vous avez peut-être dit ou fait des choses qui ont dépassé peut-être ce que vous vouliez. Eh bien, demandez pardon à leur âme. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai blessées, conscient et inconscient. Très beau message, n'est-ce pas, pour débuter cette semaine. Le pardon est quelque chose de difficile, mais tellement salutaire. Vous avancerez beaucoup plus léger en pardonnant, sans avoir cette agressivité, cette haine, cette vengeance, croyez-moi. Alors on termine avec ne plus avoir peur. Et là, je vais prendre une carte au hasard. Je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse. À demain.